Alors bonsoir, bienvenue en direct sur les ondes de 99media.org. Je suis en direct de la place Émile-Gamelin au centre-ville de Montréal pour une soirée spéciale du groupe fin novembre. Non, pas tout. Ah oui, un groupe. Ouais. Le fin novembre, Dormir dort. Vous pouvez trouver sûrement l'événement sur Facebook. Alors présentement, la troupe Compagnia qui anime la foule en attendant le début officiel de la soirée. Hey, ça va? Ben oui, mon voisin. Si, ça nous fait. Ah, ça, je peux avoir que je puisse pogner ce qui est écrit. On a un petit retard sur la soupe, mais ça s'en vient. Oups, ça part. Merci de votre patience, les bénévoles. Bonsoir tout le monde, c'est bien de se retrouver. Merci d'être là. L'air de rien, c'est comme la 15e année qu'on se retrousse les manches, qu'on s'offre ce beau moment de rencontre. Hey, ça va? Solidarité de création, d'expression artistique extraordinaire pour remettre sur la table le sujet dramatique de l'itinérance. On est braves, on est vaillants. Merci tout le monde. Donc, vous avez vu avec la thématique cette année, c'est dormir dehors à la belle étoile. Ça semble romantique dit comme ça, mais vous l'avez vu, notre belle étoile. On va remercier Burger, notre vedette. Cette œuvre-là fait référence, en fait, à Andy Warhol avec son film Sleep qui a 50 ans cette année. Mais nous, on n'est pas à Hollywood, on est à la place Émilie-Gamelin. Fait qu'on pense à nos antistars de la rue, aux rêves brisés, même si on est ici pour essayer de les reconstruire. Dormir dehors, c'est aussi des centaines de personnes partout dans la ville, soir après soir, dans le froid, l'insécurité, la solitude et l'indifférence, souvent. Parce que l'impuissance qu'on peut ressentir quand on passe à côté de quelqu'un qui dort dehors, ça nous fait souvent détourner le regard. Puis finalement, ça contribue au phénomène d'habituation de voir des personnes qui dorment dehors. C'est pas normal. On devrait être en état d'urgence collectif envers cette aberration. Dans un monde aussi riche que le nôtre, dans le froid aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a voulu témoigner de cette réalité-là puis dire aux gens « Je t'ai vu » en prenant ces photos. Fait qu'on espère qu'on a créé une œuvre forte qui nous ramène à l'émotion de base pour nous motiver tous à lutter contre l'itinérance. Parlant de gars motivés, ah, on en connaît un, on va lui donner la parole. Il s'appelle Daniel Breton. C'est le député provincial de Sainte-Marie-Saint-Jean qui a son bureau juste au bord de la rue ici. C'est un habitué de l'état d'urgence. Je pense que je vais le laisser tout simplement parler, nous dire tout ce qu'il a à nous dire sur... Ah, voilà, il donne des câlins, ben oui. Pourquoi pas? Allez, viens-t'en, Daniel. On l'applaudit, Daniel Breton. Un gros merci, monsieur Breton. Très gentil. Continuez votre bon travail. Lâchez pas, il y a plus de cœur. Bonsoir tout le monde. Écoutez, la première des choses,
je veux saluer l'extraordinaire travail que Fournier et Pierre et son équipe d'Atsa. Moi, je trouve ça tellement passionnant, je trouve ça tellement inspirant ce qu'ils font. Ça mérite une mérite d'applaudissements. Allons-y tout le monde. Ça veut dire des gens comme nous autres qu'on change le monde. Puis leur installation, écoutez-vous, ça fait quoi, une deuxième année que je viens ici pour donner coup de main à Annie et Pierre de différentes façons. Des fois, j'étais bénévole, des fois, j'ai fait partie de l'équipe. Là, je viens ici comme député. C'est drôle d'ailleurs, parce que j'ai jamais entendu être député il y a des années où j'étais sur le bord d'être dans la rue. Leur installation, cette année, vraiment extraordinaire. Vraiment magnifique. Et puis, je veux juste parler du fait qu'il y a des gens qui ont remis en question l'idée qu'il y a des photos de gens comme ça dans la rue. Là, ça, c'est la réalité. C'est ça la réalité. Et il faut la montrer, cette réalité-là. Écoutez, je pourrais vous dire que moi, ça fait un an et deux, trois mois que je suis député. Puis, depuis que je suis là, j'ai fait mon gros possible pour aider les gens qui en arrachent. On a créé la Maison d'économie sociale pas loin d'ici. Puis, on a investi des millions pour qu'il y ait de nouveaux appartements pour les itinérants et les gens en perte de mobilité. Non, ça c'est fou en passant. Fait que, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que, on s'en sac des chiffres. La réalité, c'est que, comme député, j'ai vraiment à cœur les gens qui en arrachent. Je viens d'une famille qui est proche de la Maisonneuve. Et puis, Annie vous l'a dit, mon bureau est au bord de la rue. Fait que ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de se faire entendre, quelle que soit la raison, 11 pièces. Quelle que soit la raison, ma porte est toujours ouverte. Je suis là pour vous autres. Je suis pas comme vous autres, je suis vous autres. Je suis un ordinaire, j'essaie de faire mon possible. Merci. Vous avez vu, vous avez remarqué peut-être nos artistes au travail. Toute la fin de semaine, il y a Garbage Beauty qui a commencé avec les sofas dans le fond. Comme ça, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, lire surtout les belles paroles poétiques qu'ils sont en train d'écrire. Il y a Andorra, la belle ex-écho sous le chapiteau, qui vous invite à construire une courte pente de papier. Puis ils ont plein de beaux projets toute la fin de semaine. Alors, il faut aller les voir et participer à ces œuvres-là qui vont grandir avec vous. Il va y avoir des animations, installations, performances, cirque, cinéma. Alors, on a Toxic Trottoir qui est installé juste ici, à côté. Il va être là avec nous toute la fin de semaine aussi. Bon Container, il ne faut pas manquer ça, c'est Je suis Julio. Vous irez voir l'installation. Il y a des moments de performance aussi. Il y a le projet Rue qui va avoir lieu cette fin de semaine. La vie rêvée avec l'Auberge Madeleine demain. Puis la projection de ma vie réelle avec Magnus Isaacson dimanche. On a du cirque de feu qui s'en vient tantôt, puis on va avoir du cirque en fin de semaine aussi, de la jonglerie, du main à main, de l'acrobatie, ils vont nous en mettre plein la vue. Et puis on a plein de musique, ce soir on va avoir un show avec Dom Lebeau, Paul Carniello et Pascal Dufour, et puis demain c'est So-Called, après ça c'est Daran, fait qu'on va vraiment avoir des super de bons musiciens avec nous. Et puis le soir à 9h30, ben, ça va être Sofa Poésie. Fait que sur les sofas de Garbage Beauty, on va se faire vraiment dire des choses cauchemardesques ou rêver sur la thématique de...